Mesdames, messieurs, bonjour. On est parti pour un cuisse abdos fessiers aujourd'hui. Donc, on va travailler les trois. Donc, il y a un petit peu de cuisse, un petit peu d'abdos, un petit peu de fessiers pour leur grand bonheur. Allez. On y va, petit échauffement en step touch ici pour le moment. Ok, on bouge le haut du corps. Garde le dos bien droit. Tu contractes tes abdominaux par un talon fesse directement ici. Ok, petite flexion entre chaque. Garde le dos bien droit. Encore. 8. 7. Parfait. Alors, ne gardez pas les bras ici au niveau du torse. On bouge toujours les bras. On échauffe bien les épaules, le haut du corps. 3, 2, genoux. On lève. On lève. Ramène les bras sur le genou de chaque côté. Tout le monde est synchro, c'est bon, c'est bon. 4, 3, tu doubles les genoux maintenant. 1, 2, 1, 2. Ok. On fléchit bien la jambe d'appui, le dos bien droit. Et 5, 6, double talon-fesse maintenant. 1, 2. Voilà. Serre les abdominaux toujours, on contracte, pointe, derrière, 1, 2, légère flexion toujours entre chaque, on échauffe un petit peu les cuisses, on va bien les travailler après. Ici, Cécile. Les bras, côté. On dirait que t'as hâte, non? J'ai hâte, bien sûr. En haut. On est bon, on est bon. Relâche les bras, squat, descends. 1, ok. Alors, tu n'es pas obligé de descendre complètement pour le moment. On échauffe, on continue d'échauffer les cuisses. Poids du corps sur les talons. Fesses en arrière. Parfait. 3 petits. Et 1, 2, 3, remonte. Et 1, 2, 3, remonte. Ok. Plus on est à l'aise, plus on peut descendre. À vous de gérer l'amplitude pour le moment. Encore. 1, 2, 3. Remonte. 1. Écrase tes talons dans le sol. Serre tes abdominaux. Ok, tu remontes. On relâche. Parfait. On va pouvoir commencer sur les cuisses. On y va. Pied gauche devant. Pied gauche devant. Vous avez été droit sur le miroir. Donc. Vous, pied gauche devant. Ok, dos bien droit. Je rappelle, faites attention de ne pas avoir les pieds dans le même axe. On écarte un petit peu pour garder l'équilibre. Ok? On va descendre en pointe. Je rappelle, genou pas en avant. On écrase le talon dans le sol. On y va en deux temps. On descend. Et une, deux. Remonte, remonte. Une, deux. Bien attention à votre genou, c'est le plus important. Les deux jambes doivent être à 90 degrés. Dos bien droit, encore. 1, 2, remonte, remonte. Encore. Si c'est trop dur, vous descendez un petit peu moins. On cherche l'amplitude qui nous correspond. Signal, descend, monte. Descend, monte. Parfait. Alors, si jamais ça tire de trop, vous pouvez également mettre les mains sur le genou, sans courber le dos. On garde le dos bien droit. Allez, enchaîne encore, descend, monte, descend, monte. 4, 3, 2, une fente et un genou ici. Descends, genou, descend, genou. Ok. Oxygène. Alors fais attention quand tu redescends ta jambe de ne pas écraser. On amortit toujours, on amortit, on pousse. Amorti, pousse. Allez, on maintient, on maintient. En bas, tu bloques, tu bloques. Maintiens le plus bas possible. Rappelle-toi le genou pas en avant. Écrase le talon dans le sol. Contracte tes abdominaux. On descend un peu. Et doucement, on remonte. Ok. On relâche un petit peu, on va changer de jambe. Ça va? Bien. On change de côté. Écrase ton talon dans le sol. Dos droit, serre tes abdominaux. Deux temps. On y va. 1,
2, remonte, remonte. Je rappelle que pour l'amplitude, vous êtes obligé de descendre tout en bas. On gère son amplitude ici si besoin. Le but, c'est de le faire correctement et de ne pas avancer le genou. C'est très très important. C'est bon, c'est bon. Parfait. Single. 1, 2, 3. On n'oublie pas les mains sur le genou si besoin. En dernier recours, ne le mettez pas maintenant si vous ne sentez pas trop de contraction. 15 secondes. Encore. Descends. Monte. Alors, fais bien attention. Imagine une planche. Et au niveau du genou, on ne peut pas l'avancer. On connaît la suite. Une fente. Genou. Fente. Genou. Fente. Genou. Utilise les bras pour l'équilibre. Si besoin. On amortit bien quand on amène la jambe derrière. Oh, et on contrôle le mouvement, contrôle. Encore. 8, 7, 6, 5, 4. Le dos ne bascule pas en avant, reste fixe, contrôle tes abdominaux. Tu bloques. En bas, bloque. C'est à partir de là qu'on va jouer sur l'amplitude. Tu descends un peu. Il te reste 4 secondes. Descends, descends, descends. Et doucement, remonte. Ok. Ça roule bien. Sur les dernières secondes, à chaque mouvement, sur les dernières secondes en blocage, on va essayer de descendre le plus bas possible pour bien brûler. Tout doucement. Pieds largeur de hanche. On essaie de ne pas avoir les pieds plus écartés au niveau des hanches. Les pointes de pied en direction de nous. En deux temps, on va descendre en squat. Fesses en arrière, je rappelle. Serre tes abdos, on y va. 1, 2, remonte, remonte. 1, 2. Je rappelle, les genoux pas en avant. C'est les fesses qui vont en arrière. Tu descends, tu descends, remonte, encore. Alors là, c'est la même chose. On cherche, pardon, son amplitude. Si vous ne descendez pas totalement, ce n'est pas grave. Le but, c'est de serrer les fessiers, de bien ressentir les cuisses. Encore. Et 1, 2, 3, 4. Allez, une dernière, une dernière. 3 petits. Et 1, 2, 3, pousse. 1, 2, 3, pousse. Allez, c'est le dernier exercice pour les cuisses. Tiens bon, tiens bon. Bloc, bloc, en bas. À partir de là, on a son amplitude, on la maintient. Si besoin, si vous sentez que vous allez lâcher, vous mettez les mains sur les genoux en gardant le dos droit. À partir de là, tu descends un peu. 8, 7, 6, descends un peu. Force, contracte les cuisses. 4, tiens bon. 3, redescends. 2, allez, et remonte. Ok, impeccable. On peut lâcher les cuisses, on passe aux fessiers. Allez. On vient se mettre sur les genoux. Tu vois comme ça? Allez, sur les genoux. Soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Faites attention si vous êtes sur les mains, c'est de ne pas creuser le dos. On serre les abdos, on aligne bien les épaules avec les hanches. Okay. On lève la jambe droite. On fait attention que le bassin ne se tord pas. Les deux hanches au niveau du sol, en face du sol. Les singles, décolle. Et une, descend. Deux, trois, quatre. Tu contractes ton fessier, tu contractes tes abdominaux. Même chose, jambes fléchies, monte, descends, monte, descends. Allez, contrôle, contrôle. Petit, en haut. Allez, contrôle, contrôle. Jambes tendues, même chose. Petit, petit. Force,
de la tension avec la fatigue musculaire. On a tendance à tendre les hanches. Et reste bien fausse. Ok, tu bloques. Tu bloques. Garde ta jambe levée. Viens te mettre sur le côté, allongé. Ta jambe reste levée, on ne la pose pas. Tu poses la tête. À partir de là, single, tu montes. Une. Deux. La pointe de pied reste au sol. Vers le sol. On est bon. Petit haut. Ça va, on est bien pour l'instant, ça fait pas le tête. Non, ça va nickel. Contrôle, contrôle. Ok, tu bloques. Les deux jambes, 90 degrés. Ça va devenir un petit peu plus sérieux au niveau de du ressenti, au niveau de la contraction. Ta cheville, au niveau de ta hanche. À partir de là, single. Une. Deux. Trois. Fais attention de ne pas monter ta pointe de pied. On tourne les hanches. Contrôle. Le mouvement. Petit, petit. Essaye de bien poser ta tête. Avoir les deux jambes à 90 degrés par rapport au tronc. Parfait. Un petit bonus. Les cercles. Petit cercle dans un sens. Alors ne faites pas des grands cercles. On est vraiment petit. On essaye de rester au niveau de la hanche. Contrôle. Contrôle. De l'autre sens. Ta cheville toujours au niveau de ta hanche pour avoir une bonne contraction sur le fessier. Contrôle ton mouvement, ne lâche pas. Tu bloques. Voilà. Allez, on maintient, on maintient. Contrôle quelques secondes encore. Remonte un peu ta jambe, ta cheville, remonte un peu. Parfait. Pointe de pied toujours vers le sol. On remonte encore. 8, 7, 6, 5. Dernière fois, remonte. Et relâche. Ok. Ça va, Stécie? On passe sur les genoux, on reprend l'autre jambe. Donc je rappelle, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Faites attention à votre dos si vous êtes sur les mains. On se met en place, jambe gauche levée, single, enchaîne, et U. Descends. 2. 3. Garde tes hanches face au sol. Contracte tes fesses. Contracte ton ventre. Jambes fléchies. On repousse le plafond. Serre ton fessier pour monter ta jambe. Petit haut. Allez, contracte, contracte. Au maximum. Oxygène. Ne reste pas en apnée. Jambes tendues, petit. Parfait. Tu bloques, garde ta jambe en hauteur, garde ton fessier contracté. Viens te mettre sur le côté, la tête posée sur le bras tendu. On détend les cervicales, la pointe de pied vers le sol, ventre contracté. Single, une, deux, trois, quatre. Pareil pour les singles, on fait attention de ne pas se précipiter. Prends le temps de monter et de descendre. Petit en haut. Contrôle, ça doit te brûler au niveau de la fesse. Si tu sens trop la jambe, c'est que tu es trop en arrière. Penche-toi bien vers l'avant. Contrôle, contrôle. Bloc, bloc. On connaît la suite, on adore. Les deux jambes à 90 degrés. La pointe de pied toujours vers le sol. Ta cheville au niveau de ta hanche. Serre ton ventre. Oxygène. Single. 1, 2, 3, 4, contrôle le mouvement,
Parfait. Bien haut, bien haut. Enchaîne les petits. S'il triche derrière, vous me le direz. Allez, tiens bon, tiens bon. Bloc, petit cercle. Allez. Tout petit cercle, je rappelle, ne faites pas des grands, vraiment des petits au niveau de la hanche. Contrôle de l'autre sens. Allez, forcez. 7, 6, 5. Les dernières secondes, on bloque. Maintiens, maintiens. Allez, on contrôle. 8, 7, 6. Remonte, remonte. Contrôle et relâche. On peut tapoter le fessier si ça vous fait du bien. Buvez un petit coup et on passe aux abdominaux. On a toujours à côté. Allez, on passe sur le dos. Les mains sous les fesses. Alors on va passer directement en chandelle. On va lever les deux jambes. Croisez-les, c'est un petit peu plus facile. On va décoller les fesses avec de l'élan. On descend légèrement les jambes. On fléchit, on pousse et on redescend. Ok. On prend de l'élan, on décolle et on redescend. Si les fessiers ne se décollent pas totalement, ce n'est pas grave. Simplement, hop, ça suffira. Il y aura la contraction au niveau des abdominaux. Vous n'êtes pas obligé de les toucher le plafond. On souffle à la montée. Tu souffles, tu descends. Tu souffles, tu inspires. Voilà, là, l'objectif c'est de monter le plus haut possible. Une fois haut, on bloque tout, on contracte les abdominaux et on redescend tranquillement. On ressent bien la contraction au niveau des abdominaux. Souffle à la montée, inspire à la descente. Prenez votre temps, le but c'est pas le plus de répétitions possible, c'est la bonne exécution du mouvement. Allez, les dernières secondes, tiens, on continue. Allez, contrôle, contrôle, contrôle. Bloc, jambes tendues en haut. Enlève les mains dessous les fesses, dans la direction des pointes des pieds. Laisse un écart entre le menton et le torse. Tu décolles tes épaules. Une fois là, petit en haut. Si jamais tu rentres la tête, tu vas tirer sur les cervicales. Laisse un écart, fixe le plafond. Écarte les pieds. Gauche et droite. Une, deux, trois, quatre. Plus tes pieds sont éloignés, plus tu devras travailler sur les obliques. Oxygène, oxygène. Petit côté. Une seule épaule de décoller. Ressens ton oblique travailler. 8, 7, 6, 5. Bloc. Change de côté. Petit. Allonge tes cervicales, serre tes abdominaux, bloc, reprends droite et gauche, monte, monte. Voilà, on est bon. 4, 3, et voilà. Bien joué. Pied droit sur genou gauche. Pied droit sur genou gauche. La main gauche au-dessus du genou droit. Petit en haut. Décolle. Là, c'est la même chose. On va laisser un écart entre le menton et le torse. Fixez le plafond. Décolle ton pied gauche. Bien.
Garde tes abdominaux contractés, tes fessiers également. Ta jambe gauche, tu l'attends au plafond. Si besoin, on n'hésite pas à mettre une main derrière, la main droite derrière pour supporter un peu les cervicales. N'hésitez pas. Dernière étape, tu descends ta jambe. Plus ta jambe gauche sera près du sol, plus ce sera dur pour les lombaires. Si ça tire au niveau des lombaires, on remonte la jambe gauche. N'allez pas vous faire mal. Bloc, bloc. Voilà, une fois en place, on gère son amplitude avec sa jambe. Plus on la descend, plus c'est difficile. Plus on la monte, plus c'est facile pour le dos. On fait bien attention. Monte un peu les épaules. Et relâche. Ok. On change de jambe. Main droite au-dessus du genou gauche. Allonge les cervicales, petit, en haut. Contrôle ton mouvement. Prends le temps. Décolle l'épaule au maximum. Oxygène. Lève la jambe droite. Enfin, le pied droit, pardon. Ta jambe reste fléchie pour le moment. On n'hésite pas à mettre une main pour les cervicales derrière, si besoin. Tends la jambe droite, plafond. Décoller bien l'épaule, c'est le plus important pour travailler l'oblique. Descends la jambe droite. On cherche son amplitude. Si c'est en bas, c'est très bien. Si c'est plus vers le haut, c'est pas grave. Le but, c'est de ne pas ressentir la barre au niveau des lombaires. C'est important. Ok, une dernière seconde. Tu bloques. Ok, on est bon. Décolle ton épaule un peu plus haut. Viens chercher le plus haut possible. Serre ton ventre. Et relâche. On doit ressentir un petit peu au niveau du grand droit, mais surtout sur les obliques, sur le côté des abdominaux. Ça va brûler. On passe sur le ventre. Gainage. Allez, sur les avant-bras. Pointe du pied au sol derrière. On décolle, on bloque. Alors on aligne les épaules avec les hanches. On n'a pas les fesses en l'air, on n'a pas les fesses en bas. Si besoin, si jamais ça devient trop dur, vous avez les genoux en variante. On n'hésite pas à poser les genoux. Lève la jambe droite. Alors ça, c'est pareil, c'est en option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'en pouvez plus, vous posez le pied ou vous levez un genou. Pose ton pied. Change de jambe. Pose ton pied. Lock. On contracte les abdominaux. On contracte les fessiers. Quelques instants encore. On arrive au bout de la séance. N'hésite pas à poser quelques instants pour ensuite reprendre sur point du pied si vous pouvez. Ok, gauche et droite, les hanches, on bascule. Vous pouvez également le faire sur les genoux. Tiens bon, tu bloques les 15 dernières secondes, les 15 dernières. Si tu es sur les genoux, essaye de remonter sur pointe de pied, plus que 7 secondes. Tiens bon, c'est les dernières. Allez, allez, 4, 3, 2, et relâche. Relâche, relâche. Reste sur les genoux, on vient s'asseoir sur les talons, on étire les bras loin devant, on tire la colonne. Thank you.
Ok. Les mains à côté des genoux, pouce sur les bras, on se redresse. On vient placer une jambe devant, 90 degrés, une jambe derrière, 90 également. On est assis. Et le buste vient s'allonger sur la jambe avant. Donc là, vous allez ressentir l'étirement au niveau des fessiers. Si jamais vous ne sentez pas votre jambe devant, on essaie de la tendre un petit peu plus pour ressentir. On se redresse. Ah, on change de jambe. Inspire, fléchis ta jambe ou tends-la en fonction de ta souplesse. Inspire, tu souffles, on vient s'allonger. Chevalier servant, comme on appelle. Les mains sur les genoux, sur le genou, pouce, on se redresse. On étire un coup de quadriceps, genoux serrés, fesses rentrées. Si vous avez les fesses en arrière, vous ne sentirez pas l'étirement. On rentre les fessiers. On relâche, on change de jambe. Pieds joints, tends les bras, penche sur un côté, étire les obliques. Alors ne te penche ni en avant ni en arrière. On reste bien dans l'axe. Change de côté. Et en centre, on roule ta tête et relâche vers le bas totalement. Les deux jambes tendues restent en bas, le poids du corps totalement relâché, totalement détendu. Et tranquillement, on remonte, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Une fois en haut, on prend une grande inspiration. Expire, relâche. Et bravo chez toi, bien joué, impeccable, merci à tous les deux. Fessiers, cuisses, abdos en béton, ça a bien chauffé. Et on se revoit demain pour un nouveau cours. Ciao. Salut.